Et bon matin mes petits Pikachu, ici de Miss Azik et j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes dans la forme et j'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau Let's Play comme promis sur Super Mario World. Alors comme vous pouvez voir à la date tout en bas, c'est un très vieux jeu et c'est rare que je vais pouvoir dire ça, mais j'étais pas née. La vieille de Miss Azik n'était pas née lorsque ce jeu est sorti. Bref! Donc, nous allons commencer ce nouveau Let's Play. Alors oui, je sais, la partie A a déjà 26 étoiles de ramasser. C'est parce que je faisais des tests. Des longs tests. Parce que c'est un jeu que j'adore et j'ai pas pu m'arrêter, mais c'est pas grave. On va le refaire ensemble, on va prendre la partie C. Bon, c'est un jeu qui peut jouer à deux, mais comme je suis forever alone, on va jouer seul. Donc, sans plus tarder, commençons une nouvelle partie. Alors, bienvenue. Ici l'île des dinosaures, et c'est tout ce que je vais vous traduire. Non, c'est une île étrange où on peut trouver des princesses Toad. Je crois. Bref, je lis pas tout, j'ai pas envie, c'est en anglais. Bon, voilà. Donc, ce Mario a marqué mon enfance. Bon, je dis ça à chaque fois, mais lui, plus que les autres. Et on va peut-être tenter les gens, le 100% pour ce Mario. Peut-être. On va le tenter. Donc, c'est un 96 étoiles. Donc, ça peut paraître énorme comme ça, mais... En fait, j'ai étoile, mais c'est niveau. Parce que chaque niveau, quand on le complète, donne une étoile. Donc, sans plus tarder, on va faire le niveau 1, qui est celui-là ici. Donc, j'espère que ce nouveau Let's Play vous plaira autant que l'autre. Donc, là, je filme pas avec le même logiciel que d'habitude. Donc, c'est possible que le son de ma voix soit moins fort, plus fort, pas identique. Le son du jeu soit différent. Je m'en excuse. Si quelque chose vous gêne, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer de corriger dans les prochains épisodes parce que, comme je joue sur émulateur, je ne pouvais pas filmer avec Action. Donc, du coup, je me retrouve à filmer avec XSplit qui, pour ceux le savent, est un logiciel de live. Donc, c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est pas grave. Pour l'instant, ça fonctionne et j'avais trop envie de vous faire ce jeu pour dire non, mais ça annule tout. Donc, j'annule pas tout, je continue. Et nous allons nous amuser. Donc, comme dans tous les Mario, il y a les pièces. Et ici... Ce qui remplace ce qu'on pourrait dire les 8 pièces rouges, bien qu'elles ne soient pas obligatoires, c'est ça. Il y en a 4. 4 par niveau, je crois. 4 petites médailles Yoshi qui donnent des points supplémentaires. Donc, ça fait rien qu'on les ait tous, je crois. Bref, ça m'a jamais empêché de dormir, de ne pas les avoir. Et je sais plus si c'est 4 ou 5. Ah! Oh purée, j'ai failli faire écraser mon tête par une méchante truc. Aïe. Et comme vous pouvez voir, là, je me suis fait toucher. Mais comme j'avais un champignon en économie en haut, eh bien... J'ai pu le récupérer. Donc ça ici c'est des vies, comme d'habitude, hein. On perd pas le principe. Donc comme sur Super Mario 64, lorsque je ferme le jeu et que je déconnecte, je perds mes vies. Donc si j'arrête l'épisode à 14 vies et que je recommence l'épisode 2 et que j'enchaîne pas, ce qui devrait pas arriver normalement, je vais recommencer à 5 vies. Donc c'est malheureusement comme ça. Mais au moins, à moins d'un petit problème, je devrais pas perdre mes niveaux. Ça serait chiant de recommencer à toutes les fois, hein, les amis. Hein. Et ça ici, c'est une fin de niveau. Donc le but est d'essayer d'avoir la petite barre qui bouge le plus haut possible. Et ça nous donne des points. Et on a un petit cadeau bonus lorsqu'on atteint 100. Donc là, on en a 24. Donc ça s'accumule de fois en fois. Et lorsqu'on atteint... Non, pas 100. Lorsqu'on atteint 99... Ou 100? Non, je crois que c'est 99. On a un petit bonus. Un petit jeu bonus que j'espère avoir l'occasion de vous montrer. Et là, on fait ça ici. Ça ici, c'est un petit peu particulier. C'est pas un niveau en soi. C'est ce qui va nous permettre de... Attends, je vais vous montrer après. Donc ça ici, c'est simple. On ramasse l'argent, on devient riche, on devient millionnaire. Et on va s'acheter une villa dans les Caraïbes. Allez, pouce rouge. Non, pas pouce rouge, pouce bleu si vous voulez une villa dans les Caraïbes avec moi. Je vous invite, on va devenir les meilleurs amis du monde. Donc ça, il y en a 4, des petits niveaux comme ça qui permettent de débloquer des boîtes spéciales. Donc quand je vais actionner ça ici,
toutes les boîtes qui étaient pointillées jaunes vont devenir des boîtes avec un point d'exclamation jaune. Et je crois que normalement, c'est des champignons qu'il y a dedans. Donc, si j'ai une boîte avec un point d'exclamation jaune, je vais pouvoir avoir un champignon. Donc, ça peut être très pratique si jamais il y a des méchants qui m'ont tout enlevé mon vie. Et on va sauvegarder parce que c'est pas un jeu où on peut sauvegarder quand on veut. On peut sauvegarder lorsqu'on ouvre des boîtes comme ça, lorsqu'on fait des maisons fantômes ou lorsqu'on fait des châteaux. Voilà. Voilà, voilà. Donc, niveau 2 qui était un niveau que j'adorais. Pour une raison simple que vous allez très vite comprendre, les amis. Oh, regardez, comme là, j'ai eu un champignon. Donc la raison, elle se trouve pas là. La raison de pourquoi j'aime ce niveau, les amis, elle se trouve là. Un 9! C'est un Yoshi! Oui, Yoshi! Moi, j'aime la grande langue de Yoshi. Donc Yoshi, comme dans tous les Mario, mange les pommes. Et quand il mange 5 pommes, je crois, on a un cadeau. Et quand il mange les tortues... Tout dépendant de la couleur de la tortue, il fait un truc spécial. Donc la tortue verte, il fait que la balance est comme ça. La tortue rouge, il la balance en feu. La tortue bleue, il peut voler avec. La tortue jaune, je crois qu'il peut faire des trucs étranges au sol. Aïe! Fait pas mal. Donc ceux-là sont plus durs à tuer. Non, mon Yoshi, reviens! Ouf, ok. Donc je vais aller chercher la médaille, même si au fond ça sert pas à grand-chose. Mais on va la prendre quand même. Et là... Comme j'ai déjà un Yoshi et que j'ai eu un deuxième œuf de Yoshi, ça me donne une vie. Mais si j'avais perdu mon Yoshi en cours de route, j'aurais eu un deuxième Yoshi. Ah non, mon Yoshi pas un deuxième Yoshi, j'aurais eu un nouveau Yoshi. Mais ça n'aurait jamais remplacé celui que j'ai perdu. J'aurais toujours une tristesse dans mon cœur. Bon, Yoshi, je te laisse là temporairement, d'accord? Sois sage. J'ai dit, je te laisse là temporairement, sois sage. On va aller chercher ça en haut. Bon, je sais que je me contredis. Une fois, je dis que je les fais pas, je les fais quand même. Mais là... J'avais envie. Donc on continue de manger les petites pop-pommes. Donc finalement c'est plus que 5. Quoique je sais pas si ça donne quelque chose dans ce... Dans celui-là. Ah oui, un œuf. Et j'ai eu un champignon. Donc je crois que des fois on peut avoir des vies. C'est très variable ce qu'on peut avoir. Et dans le Mario ici, ce qui est un classique de beaucoup de Mario, dans certains tuyaux on peut entrer. Comme ça. Ouais, je suis rentrée dans le tuyau. Je dois faire un truc spécial. Donc ça ici c'est simple. On doit taper cette boîte. Ouf. Et on a une vie. Donc, pour ceux qui veulent avoir un surplus de vie, peuvent faire ça en boucle pendant un tableau. Ils viennent ici, ils vont là, ils recommencent, ils revont dans le tuyau, ils vont se rechercher une vie. Mais là, j'ai la flemme. Donc, on va tout simplement finir le tableau. Donc, on va prendre ça. Donc, ça permet de rendre les sous. Non, mon Yoshi, non, je pars pas sans toi. Donc, ça permet de rendre les pièces en blocs durs. Donc, on peut passer dessus. Donc là, on est 22. C'est pas trop mal, on est à 46. On devrait avoir un niveau bonus d'ici la fin de l'épisode. Sauf que là, je me rends compte qu'en ayant changé de logiciel, j'ai plus mon temps de vidéo. Et j'ai pas de chrono. Donc je vais devoir penser les prochaines fois à me faire un chrono. Oups. Donc c'est pas grave, peut-être qu'on aura une vidéo de 3 heures parce que je vais pas m'arrêter. Non, ça sera un petit peu trop 3 heures, je crois. Autant pour moi que pour vous. Après 3 heures, je crois que j'arriverai plus à placer un mot tellement que j'aurais trop parlé. Je dirais des choses trop bizarres pour votre cerveau. Et pour le mien aussi d'ailleurs. Donc là, contrairement au nouveau Mario, et ce que je trouve dommage dans les nouveaux Mario, c'est que lorsqu'on termine un tableau avec un Yoshi, eh bien on perd notre Yoshi. Il s'en va, il fait bye, bonne chance dans ton aventure, moi je vais prendre un café. Mais dans ce Yoshi, dans ce jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'on garde le Yoshi. Tant qu'on l'a pas perdu, on le garde de tableau en tableau et il nous suit partout, sauf dans les châteaux. Parce qu'il a peur, et il a peur dans les maisons de fantômes. Donc dans le fond, c'est une Laura portable. Parce que Laura, elle ferait la même chose, elle m'accompagnerait partout, sauf dans les châteaux, parce qu'elle a peur des grands méchants, et dans les fantômes. Parce qu'elle a peur des fantômes. Donc dans le fond, notre petit animal de compagnie Yoshi, ça va être notre Laura à nous. Voilà, donc petite dédicace à Laura, qui est l'absinthe, pour ceux qui ne savent pas de qui je parle. Voilà, donc voilà ce que je te fais, Laura. Pardon. Non, ne me dis pas des bêtises comme ça. Donc, ça, je sais pas à quoi ça sert la boîte verte avec une étoile dessus que j'ai eue, mais je l'ai pris et c'était cool. Ça m'a bien plu de la prendre. Donc, comme vous pouvez voir en haut, on a notre nombre de vies, notre nombre de points, bonus, notre item, on a le temps, parce que dans chaque tableau, il y a un temps, et on a des points qui s'accumulent, je crois. Mais ça encore, je crois que ça sert pas à grand-chose à part rétablir des records mondiaux, mais c'est pas du tout mon but. Waouh ! Ah, j'aime la musique de ce niveau, j'ai envie de danser. Waouh ! Ouais, je danse. Bon, ça suffit. Donc, tableau dans l'eau. Habituellement, je les aime pas. Celui-là, il est pas trop mal parce que il se passe pas entièrement dans l'eau.
Mais si se passait entièrement dans l'eau, ben je me plaignerais parce que j'aime pas les niveaux dans l'eau parce que comme vous savez, j'arrive pas à nager. Oup ! Hey, je mangeais ton tête ! Laisse-moi manger ton tête ! J'arrive pas. Débile, je croyais qu'on pouvait. J'avais souvenir que quand on mangeait sa tête en premier... Ah non, ils veulent plus. Ah bon ? J'avais souvenir que quand on mangeait sa tête en premier, on pouvait... Ça détruisait le reste de son corps. Bon, mais j'ai dû me tromper de jeu. Voilà, c'est pas grave. On a réussi à passer quand même avec notre Yoshi. J'espère qu'il va nous accompagner tout l'épisode. Ce serait triste sinon, mais je crois qu'on va le perdre là. Merde, je devais pas prendre ça maintenant. Perte de temps, Miss. T'as mal fait. T'as mal joué. Attention. Attention, il y a des gens qui vont te tuer. Donc, encore une fois, comme dans tous les Mario, il y a la fameuse étoile qui nous rend invincible un certain laps de temps. Donc, pendant que la chanson coule est là, on est invincible. Sinon, les ennemis peuvent nous toucher. Mais là, on est invincible, donc on a été les plus forts. Ouais! Et ah, il y a aussi en haut à droite le nombre de pièces qui s'affichent. Et comme dans chaque Mario, lorsqu'on atteint les 100 pièces, on a une vie. Et là, les amis, on va aller faire notre premier château. Ouais, on est trop forts. Trop trop fort. Et regardez, Yoshi est pas avec nous, il nous attend dehors gentiment. Bonne chance Mario. J'ai peur. Donc les châteaux sont souvent chiants. Lui à la limite ça va encore. Moi je les trouve chiants, mais il y en a que j'aime bien. Donc le but c'est de se rendre au boss, de tuer le boss. Et c'est tout, comme dans tout jeu normal quoi. Donc il y en a, si mes souvenirs sont bons, il y a 7 mondes ou 8, je crois que c'est 8. Ouais, je crois qu'il y a 8 mondes. Et il y a un château par monde, donc qui est le dernier niveau du monde. Et le 8e château, c'est le château final avec Bowser. Mais on est encore loin d'être rendu là, les gens. Donc on va commencer par le premier. Et dans chacun des premiers, on bat des boss qui sont en fait... Ben moi, j'aime bien dire les enfants de Bowser. Donc c'est les bébés Bowser qu'on voit un petit peu partout. Là, ils sont chiants et tout. Donc chacun ont leur particularité. Ah ! J'avais oublié ça. Quand je prends un petit truc comme ça, ça me change de côté. C'est cool. Waouh ! Regardez, on me voit. Je suis une araignée. Ouais ! Bref. On va passer à la suite. Et ça, ben, c'est une porte. Voilà. Une porte qui est aussi grosse que nous, mais c'est une porte. On n'a qu'à aller dans la porte. Et ça, il y a des trucs qui nous tombent dessus. Ils veulent nous écraser, faire de nous des crêpes. Ah ! J'espère vraiment, les gens, que ce jeu vous plaira. Donc je sais pas si je l'ai dit au début de l'épisode, mais c'est un jeu de Super Nintendo. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà joué, touché, vu à une Super Nintendo? Une Super Nintendo, les gens, c'est la console grise avec les boutons violets. Voilà, j'ai toujours appelé comme ça. Donc console grise avec les boutons violets, avec les cassettes qui ressortaient du dessus dans lesquelles on devait souffler lorsqu'elles fonctionnaient pas. Est-ce qu'il y en a entre vous qui ont connu ça ou je suis la seule? Est-ce qu'il y en a aussi qui auraient... Parce que je sais qu'ils ont ressorti le jeu récemment sur la Wii U. Donc est-ce qu'il y en a qui ont joué au jeu? Qui le connaissent, qui l'ont terminé ou qui l'ont pas terminé? Donc j'aimerais savoir dans les commentaires pour qui ce jeu est une découverte, pour qui c'est une... des souvenirs. Bon, moi personnellement c'est des souvenirs parce que je l'ai passé maintes et maintes fois parce que ce jeu, je l'adore. Mais ça je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, j'aime bien me répéter. Donc là, on a détruit le château et on a sauvé un petit œuf de Yoshi. Donc on a défait Iggy Koopa dans le château numéro 1. Et on a sauvé l'ami Yoshi. Ouais. Il est pris dans un œuf. Dans un œuf. On doit aller à la Donut Land maintenant. Donc il doit être le niveau 2. Oh, on s'en sort quand même bien avec nos 17 vies. Save and continue. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais on se retrouve sur un niveau rouge. Donc la différence entre les niveaux jaunes et les niveaux rouges, c'est que les niveaux rouges ont une sortie secrète. Ouais, parce que dans chaque niveau rouge, il y a la sortie normale qui va nous faire le chemin normal. Et il y a la sortie... Oups, ça, je devais pas faire ça. Il y a la sortie secrète qui va nous mener à un endroit secret. Ouh, des mystères. Mais arrête de me lancer des boules de... Oh, débile. Voilà. T'es mort. Bon, ah merde, je savais pas que Yoshi les tuait. Oh, Laura, elle est pas très très efficace, elle les tue, moi je vais avoir leurs plumes. Parce que les ennemis avec les plumes brillantes, comme ceux-là, ils nous permettent de voler. Bon bah adieu Laura. Je t'ai aimé. Là je t'aime plus. Kiki. Ok. On va aller ici. Donc ça se tue avec un petit jeu particulier.
Donc chaque étage a 3 cubes et le but c'est d'avoir 3 ronds. Ah, là je l'ai pas eu. Allez, on le tente. Là on va l'avoir et ça nous donne une vie. Voilà. Donc ça peut être pratique. Non, pas eu. Allez, oh oui, on est trop fort. On va avoir plein de vie. Raté, c'est pas grave. On continue. Et là on va aller là. Vous allez me dire, oui mais Demi, t'avances pas, tu recules. Oui je sais. Donc c'est ici ce que j'ai pu passer des heures dans cet endroit avec ma grand-maman. Ce qu'on faisait, on volait comme ça. Et on amassait plein de pièces pour avoir plein de vie. On faisait ça plein de fois. On sortait du truc, on venait tout le temps. Le but est d'avoir plus de pièces possible. Vous voyez, le chemin est assez long, fallait qu'on fasse les 3 étages. Et il y en a en bas aussi, je vais vous montrer, regardez comme ça. Wouhou! Et on faisait ça. Encore et encore. Bon, là, je vais arrêter par contre. Parce que je crois que vous avez compris le principe, hein? Vous n'êtes pas stupide. Donc, ouais, ma grand-mère faisait ça parce qu'elle n'était pas nécessairement très douée et elle voulait plein de vie pour pas avoir besoin de recommencer. Donc, elle s'accumulait des vies comme ça. Mais nous, on est forts, on n'a pas besoin. Dit la fille avec ses 21 vies. Bon, toi, tu viens avec moi. Oh non, il n'est pas content de nous regarder. Il nous regarde avec des yeux méchants. Mais je vais te tuer, t'as volé mes ailes. Moi, je m'en fous. Bonjour Laura! Ça fait longtemps qu'on s'est vu Laura! Donc, on va. Là, on est presque à la fin du tableau. Je vais vous montrer où est la sortie secrète, mais on ne pourra pas l'avoir maintenant, je crois. Viens ici, Yoshi. Ouf! Elle se trouve en haut des petits cubes verts. En fait, je pourrais. Mais il faudrait abandonner Yoshi. J'ai pas envie. Mais non, Yoshi! J'ai dit que j'avais pas envie de t'abandonner. Te sauve pas comme ça, comme un débile. Bon! Ah, débile. Ah merde, j'ai pas réussi. Adieu, Yoshi. Je t'ai aimé. Il se sauve de nous, il est méchant. Moi, je croyais que Yoshi nous aimait. Mais il nous aime pas. Je suis triste. Donc, par contre, ce tableau, qui est aussi un tableau rouge, on va faire la sortie secrète. Comme ça, on va pouvoir terminer l'épisode en faisant la sortie secrète de l'autre niveau. Voilà. Champignon. Bon, j'en ai pas besoin. C'est pas grave, on ne panique pas pour rien. Ça sert à rien de paniquer pour rien. Wahoo! Bon, donc ça, c'est les niveaux que j'aime pas parce que, ben, comme vous pouvez voir, ils avancent tout seuls. Et ça m'a toujours stressé les niveaux qui avancent tout seuls parce que je me fais toujours écraser. Parce que je suis pas assez vite. Ou quand je suis trop vite, ben, je peux pas avancer. Là, je suis comme ça. Vite, vite, vite! Et ça marche pas. Vite, vite, vite! Ok, j'ai réussi. On peut danser pendant ce temps-là. Waouh! Toum 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 toum. Bah, je l'ai un peu remixé le truc, c'est pas grave. Oups, ça a pas fonctionné ce que je voulais faire. C'est pas grave. Je vais pas pleurer pour ça. Hein. Non, je suis une grande fille. Donc, la sortie secrète, les gens, on s'y approche, on s'y approche. On doit aller dans le tuyau qui est juste au-dessus de notre tête. Comme ça. Allez, on va dedans. Voilà. Et là, il suffit de. Que lui nous tue et il faut aller chercher ça là. Waouh! Faut pas la détruire, faut éviter de la détruire. Ok, on la prend et il faut la lancer là. Voilà. Et là, on a des petites lianes qui apparaissent. Et là, il nous suffit de monter comme cela. Et là, on a une clé. Et il faut mettre la clé dans la serrure en toute logique. Waouh! Donc là, ça nous permet d'actionner ça ici. Qui va nous permettre d'actionner les petits carrés verts. Donc, qui sont de la même couleur que les carrés qui étaient en pointillé tout à l'heure dans l'autre niveau. Donc ça ici, ça nous donne une vie. Waouh! Je fais trop de bruit! J'ai décidé que j'apportais la carapace avec moi. Voilà. Et on va l'acheter, puis c'est marrant. Waouh! Oh merde. Je croyais qu'elle passait au travers du truc. Et non! Je me suis gourée. Bon, les gens, je sais que j'avais dit qu'on terminerait l'épisode avec l'autre niveau. Sauf que, étant donné que je peux pas sauvegarder comme je veux, je vais sauvegarder maintenant. Et nous allons nous laisser ici pendant qu'on a un point de sauvegarde. Donc on va essayer à chaque épisode de couper un point de sauvegarde. Si jamais on y arrive pas, j'irai dans un autre tableau, dans un vieux tableau pour le refaire, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, nous allons nous arrêter ici pour le premier épisode de notre nouveau Let's Play. Donc j'espère que...
qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme à votre habitude, à laisser un bébé pouce bleu et un bébé commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne afin de sauver des Pikachu, des Mario et des Laura égarés. Et en attendant, je vous dis, faites attention à vous et je vous fais des bisous bisous!